la fameuse omelette de ma mère. Donc, en fait, ce qu'elle fait, c'est que tu as mis quoi, là, à l'intérieur? Alors, moi, ce que je mets, c'est les pommes de terre. D'abord, les pommes de terre. Je retire mes pommes de terre. Et après, je fais frire mes oignons. Ok. Donc, après, tu remets les pommes de terre. Je remets les pommes de terre. Après, je mets les oignons. Là, tu mets du fromage. Un peu de fromage. Ça donne un peu de... Ok. Voilà. Et ensuite, les filles, elles font un mélange, donc, œuf avec persil. Persil et un peu de poivre. Ok. Voilà. Et ensuite, elle dépose sur du coup son omelette, mes girls. Et c'est comme ça qu'elle fait sa petite omelette que vous avez toutes kiffé d'ailleurs dimanche dernier. Et voilà. Ça, on mangeait ça avec des merguez à l'époque. On faisait des sandwichs. Voilà. Et on rajoutait la merguez. Et les filles, je peux vous dire qu'elle est exceptionnelle. Donc, je vais vous noter la recette si vous la voulez. C'est une très longtemps. Bon, du coup, les filles, voilà pour l'omelette. Donc, elle est prête. Elle est, mais quand je vous dis excellente... Faut qu'elle soit baveuse. Un petit peu, ouais. Mais après, c'est vous comment vous l'aimez, en fait. Oui, voilà. Mais qu'est-ce que c'est bon, mes gars. Alors, les filles, du coup, Tarek, il a décidé voilà, d'avoir un sandwich. Donc, ma mère a lui met une petite harissa maison, là. Combien coûte ce sandwich? Va te coûter cher. Et ensuite, du coup, les filles, elle lui met un peu d'omelette à l'intérieur. Voilà, c'est frites omelette. Et ça, comment c'est trop bon, mes girls. Oh mon dieu. J'avoue, il doit coûter cher sans doute. Ça, t'en as pour 12 euros. Heureusement que t'es ma belle-mère. Hein. Bon, mes girls, on est au hammam. Comme elle est, elle a laissé, ça y est, elle a dit, oh, c'est mort, je fais pas. Donc du coup, let's go. Il a l'air bouillant par contre. Ah, il a l'air super chaud. Girls, je viens de faire mon meilleur hammam. Là, on va s'en aller. Franchement, les filles, adresse, mais plus qu'à garder. Vous allez tellement kiffer, il y a tout et tout. Là, je rentre, je me fais auto-bronzant les filles direct. Ils ont le planifié aussi, donc n'hésitez pas, mes girls. Les filles, je suis rentrée à la maison aujourd'hui, journée tranquille, comme un petit dimanche. Donc là, mon fils il est au bain et moi je vais me faire le petit masque au savon lait de chèvre, les filles, sur mes. Ah, tu veux que papa il te rejoigne dans la douche, les filles? Après, je mets ça. Vous en avez sur Amazon et tout. Ceux de Amazon, c'est les meilleurs. Là, moi, c'était ceux que j'avais acheté, je sais plus, et c'est coréen, les filles. Donc en fait, c'est coréen et en fait, vous mettez donc. Tac, vous mettez le patch. Les filles, je suis crevée. Je vous jure, le hammam, il m'a tué. Qu'est-ce qu'il y a, Mayaya? En fait, les patchs, je sais pas si vous voyez. Là, sur le bout de mon doigt, vous le mettez. Et en fait, déjà, tu vois, quand t'as un bouton rouge, bah, ça va plus se voir. Tu vois ou pas? Donc, ça évite. Genre, tu peux même traîner avec, tu vois, la journée et tout. Donc, c'est grave bien. Là, je vais en mettre un là, les filles. Du coup, mes gars, vous voyez, on voit rien. Et en fait, vous pouvez carrément vous maquiller dessus. Au lieu de vous maquiller, en fait, sur vos boutons, vous vous maquillez au-dessus du patch. Et il a un aspect un peu... Liam, me dis pas que tu mets de l'eau partout, là! Pas de bêtises, hein! Pas de bêtises! Oui? Tu fais pas de bêtises, vous voyez ou pas? C'est complètement vous maquiller dessus. Donc, je vous ai pas apporté une petite... Je suis trop contente. Alors, je vous explique, mes girls, parce que j'ai énormément de questions concernant le hammam. En fait, le hammam, ça va permettre... Tu vois, quand tu te laves, bah finalement, quand tu vas faire un hammam, tu vas te rendre compte c'est quoi se laver. En fait, ce que tu vas faire, c'est que... Déjà, je t'explique un peu comment c'est le concept. T'arrives, tu descends, tac, 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 tu te déshabilles. Tu peux te mettre en culotte avec les seins à l'air. Tu peux te mettre toute nue. Tu peux te mettre ce que tu veux. Tu peux te mettre en maillot de bain. Enfin, voilà, c'est vraiment le hammam traditionnel. C'est pas choquant parce que personne se regarde et personne se calcule, en fait. Donc, bien entendu, c'est que pour les femmes. Donc, comme je vous disais, les filles, je fais toujours la formule avec le henna. Moi, je fais pas l'enveloppement au rasoul, etc. et tout, parce que je pars du principe où j'ai envie d'aller vite au hammam et tout. C'était vraiment
pas en mode détente, c'est plus en mode je veux me laver et tout. Donc je prends la formule avec le henna. Donc elle me met le henna, d'accord, les filles partout partout, donc le henné, d'accord, elle m'en met partout partout partout. Donc ça ne va pas vous tâcher justement, ça va vous-même vous donner un petit teint hâlé. Ensuite vous passez donc dans une salle qui est, on va dire, la salle vapeur, où là vous allez avoir en fait un bain de vapeur, ça va permettre d'ouvrir les pores du visage, ça va permettre de dégager la crasse même au niveau du visage, de pouvoir enlever vos points noirs. C'est à ce moment-là que vous pouvez vous faire vos meilleurs masques. Vous prenez tout avec vous, vous prenez vos masques que vous avez à la maison, au dentifrice, à la brosse à dents, vous prenez tout. Donc les filles, comme je vous ai dit, vous passez donc au bain de vapeur. Ensuite, il y a une dame qui va vous frotter. Donc là, c'est à ce moment-là que le henna joue tout son rôle. Elle va vous mettre un peu de savon noir et ensuite, elle va vous frotter. Elle va vous enlever toute la crasse, vous allez voir des spaghettis horrible, genre vraiment dégagé de votre corps. Vous allez dire, mais c'est jamais ça, moi, sur moi. C'est pas... Tu te laves tes cheveux, tu te laves. Et voilà, les filles, après, tu kiffes ton moment. Ça permet, du coup, la circulation du sang. Ça permet également aussi donc le raffermissement de la peau. Vous allez voir, vous serez bien. Si vous avez tendance à gonfler un petit peu, vous allez voir, ça va tout vous dégonfler. Ça permet de se relaxer, ça permet de se détendre, ça permet de se laver, ça permet d'enlever toutes les toxines, également d'enlever toutes les impuretés au niveau du visage. Et non, ce n'est pas que pour les Arabes. Et de toute manière, enfin, j'ai vu à plusieurs reprises que vous aviez des commentaires un peu déplacés, racistes, j'en sais rien. Mais voilà, donc non, ce n'est pas uniquement pour les Arabes. Voilà, c'est pour toutes les nationalités, toutes les... Enfin, j'arrive même pas à comprendre. Bref, même pas les mots, frère. Mes girls, si je vous dis que j'ai un coup de barre, genre par contre le hammam, les filles, faut le faire après, genre faut que tu dormes, tu vois, faut que tu dormes parce que ça te met un coup. Et tu sais, quand t'es pas bien, t'es un peu stressé, t'es pas au top et tout, vraiment les filles, ça va vous détendre, genre vraiment ça va tout enlever. Alors là, on n'est pas sur un hammam, genre on est plus sur un hammam traditionnel, c'est un bon hammam quoi, c'est un... Et les filles, là, du coup, comme ma peau, elle est gommée, je vais me mettre l'auto-bronzant, je vais en mettre... Fille, j'ai trop peur. Vraiment, j'ai trop peur. C'est grave pas kiffé. Fille, j'achète. Et longtemps, cette routine. Mais ils ont changé les packaging et tout. Donc, pour ça, j'ai god ce masque. C'est... Bref, je crois qu'il faut penser à une petite session skincare, hein, là. Les filles, j'ai pris mes enfants. Et j'ai pris ma nièce, parce que je devais la raccompagner chez ma sœur. Et on a pris tous les produits. On a pris le lisseur, on a pris l'auto. Bon, je vais faire à tout le monde là. Et en fait, on habite à 5 minutes, moi et ma soeur maintenant. Enfin, 5 minutes, j'abuse. Mais 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Ouais, un petit peu plus quand même. Bon, les filles, je vais enlever mes patchs parce que je vais faire l'auto-bronzant. Et je vais le faire sur le visage. Liam, je suis là. Je suis là, mon fils. Donc, on va commencer. Pas du tout quand je suis. Mais pourquoi tu me colles comme ça? Quand je suis blanche comme ça, vous avez un pinceau kabuki. J'ai mis. Ok. Au niveau des. Qui pleut au niveau des ongles. Ici, là. Les filles, déjà, je vous explique, j'en ai mis sur le visage. On voit déjà le résultat. Ouais, il y a ça un petit résultat donner, déjà. Bon, on va voir. Je vais faire sur le corps, mes girls. Les filles, je suis rentrée à la maison. Écoutez, franchement, l'auto-bronzant, il est vraiment en train de faire l'effet de fou. J'aime beaucoup la couleur que ça fait. Bon, sur le corps, j'avais déjà mis. Mais sur le visage, franchement, j'avais un peu peur. Mais là, franchement, déjà, ça me redonne un peu bonne mine. Parce que franchement, j'avais pas kiffé mon teint là de tout à l'heure. Il faut laisser entre 6 à 8 heures. Donc là, je vais dormir et je laverai demain matin, donc dans ma douche et tout. Mais girls, demain, on va se faire une petite journée un peu shopping, etc. Le haut cam, ça sera mardi. Demain à 14h, je rejoins la gagnante du concours pour lui donner son lot, mes girls. Donc voilà, demain, petite journée shopping, make-up, de la skincare, etc. Et voilà, franchement, je suis très contente, genre vraiment.